Notre vision de l'humanité, ce sont ce qu'on appelle en créole le grand nègre ou le grand négresse. Donc c'est une leçon d'humanité. Voilà un pays qui regarde les êtres humains, non pas dans une vision coloriste, non pas dans une vision racialisée, mais plutôt dans une vision humaine. C'est-à-dire l'être humain pour un haïtien, c'est une somme de beauté et de bonté. Et c'est comme ça qu'on les accepte. Donc, il faut qu'on dise ça au monde. Et c'est ça qu'on essaie de dire, que ce soit à travers ce que j'écris, et que ce soit à mémoire d'appuyer dans une expérience qui est plutôt une expérience collective. C'est ce que je veux dire.
il n'y a pas. Et j'ai constaté aussi, dans toutes les lectures, que les hommes qui ont posé les grandes questions, ce sont les hommes qui n'ont jamais écrit aucun livre. Socrate, Jésus, Bouddha. Si quelqu'un connaît une page, je lui dis la même d'un de ses trois messieurs, je lui donne toutes les fortunes de la terre. Et pourtant, ce sont eux qui m'ont posé la vraie question. Nous autres, nous continuons à approfondir, à enquêter, à nous interroger, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, n'importe où. Voilà. Is
ça que je m'a menacé depuis que la géographie de la bourgeoisie haïtienne, qui est suite au texte, qui était le nouveau rôle de la bourgeoisie haïtienne, de l'économie haïtienne, on ne va pas parler de l'économie haïtienne, on ne va pas parler de tout le monde qui considère l'économie comme un produit d'Haïti et qui est affaire de l'économie haïtienne. On va analyser, on va faire une proposition, son texte qui était en 1000 écho, des mondes. Une peinture surréaliste. Merci beaucoup. Bon, réponse à mes écoutes. Réponse à mes écoutes, c'est ce que le bon écrivain qui s'en fait la même, c'est son art. Quelle que soit la pensée, l'idée, œuvre, inspiration, ça qui est simple d'avril, est-ce que le texte tient la route, comme on dit, la littérature dans votre art? Ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les meilleurs idées du monde, les meilleurs états du monde, mais c'est pas pour l'écrit de vous l'écrit. Prenez pour dire que l'écrit n'a pas de la fonction. Donc, quel pensée technique, quel pensée politique, en termes de littérature, c'est pas ça, mon problème. Le problème, c'est
la nouvelle avec des pages bizarres sur le verre. La En fait, il y a le langage qui se manifeste toujours dans une multiplicité de sens, et la réception aussi se manifeste dans une multiplicité de réception. Donc il n'y a pas vraiment d'unicité dans le sens où, quand je dis « je », la réception de ce « je » comme sujet peut être interprétée différemment. Et c'est le droit, donc je pense que du lecteur, de la lectrice, de recadrer en fait ma phrase. Donc, dans le cas et surréaliste, la question qui me concerne, en fait, je pense que je parle toujours de la réalité, mais quand j'écris, je ne me préoccupe pas de ces questions. Ce sont des questions de lecteur qui, et même si je ne m'occupe pas des catégories, et je pense que c'est fondamental pour ma part de ne pas s'occuper de catégories, parce qu'en fait, tout se recoupe, que ce soit le style, que ce soit le thème, tout se recoupe. Et peut-être que dans ce moment des appris, la manière dont on nous a enseigné la littérature, on nous a fait mis de côté le style, le thème, etc. Moi, je pense que la littérature, c'est une aventure à la fois du langage et c'est une aventure humaine. Donc il faut tout être associé, comme dans la vie, tout est associé. Il a bien marché, mais c'est 2000 exemplaires qui vendent. Et puis là, comme ça, sont frais. 2000 exemplaires pour un livre qui bien marché. En Haïti. Bon. La question, c'est la première question. C'est qui ça nous a fait nous-mêmes, nous fait pour nous financer le travail? Parce que faut qu'il y ait des ressources. Nous posons une question à nous deux. Et puis, qui ça nous-mêmes là, dans la diaspora, nous a fait? Parce que monsieur a posé une question de ressources humaines. Ce n'est pas juste où est l'argent. Est-ce qu'on a un café pour la littérature ou ça nous fait gagner parce que la bibliothèque à Montréal, même si chaque bibliothèque achète un livre et qu'il y a un pile haïtien, le livre, ça, depuis ce qu'il y a 2000 ans, ce petit chiffre, c'est que ou lit, ou écrit, ou fait un livre là, ou vend un livre là, c'est qu'on fait tout le bagaille. Qui ça nous a café là pour aller au marché? En 1954, on a réalisé en photographie de 125 au Réal. Je vais faire un calcul de l'homme qui dit bon, moi le Parlement, on est 600. Bon, on va faire un calcul de l'homme qui dit bon, je suis père, c'est la vie. Bon, nous avons 601 universitaires qui enseignent les universités de l'Afrique du Nord. Si c'est une université sérieuse, si on a accès à l'université de l'Afrique, plutôt que l'université a l'intitulé de différentes facultés, de acheter tant qu'acheter de livres, etc., ça fait un bon réseau là, pour vous. C'est vrai. Mais, vous connaissez, pas pour vous parler de la vie. Pas pour vous parler de la vie. Pas pour vous parler de la vie. Quelqu'un qui s'en souvient de l'un, il y a qui s'en souvient de l'un. Ballon en pied, m'appelait jusqu'à ce que vous allez vous parler de 10 minutes, M. Mario. Le dynamisme de l'énergie. Quoi me souvenez-vous? Quand vous avez le livre, cette tension du monde, j'aime le livre, l'écrivain, l'encourager, les idées en Haïti. C'est un métier de bien. Il faut le donner. Souvenez-vous, quand vous avez par exemple, la meilleure façon de l'aider, c'est de le faire. Vous devez le normalement appeler ça. Quand on a plus souvent, plus on lit les livres, plus on assiste à débat, plus on cache des livres, et plus on lit les contacts les autres, il y a plus de high school, plus de collèges, plus de l'université, plus on achète des livres. C'est l'été en dynamisme de réseau que nous avons pris accès à. Avec Internet, le monde est devenu un village, c'est un problème. Quel que soit le
avons besoin de faire ça dans le cadre de nos éditions, on est sur cette présence, par contre, le groupe dernier, et bien fini, ils ont là exactement tout ça pour faire aujourd'hui là. Qu'est-ce que vous dites, que je dois faire comme ça les jours, si vous avez mal à prier, on est prié, on va prendre le téléphone, il y a tout ça pour faire rien. Donc à ce moment-là, c'est passé. Deuxièmement, nous, il y a un amour qui pouvait se diversifier. Par exemple, ce symbole-là, effectivement, responsable des études d'Haïtien, le fait de la communion, créer des activités de ce genre pour inviter les églises haïtiennes, côté débat de la communauté haïtienne, jusqu'à l'Haïti, l'île haïtienne, pour profiter de positions que nous gagnons pour nous capables de promouvoir le sujet. Ok? En Europe, les bonnes intentions, c'est très bien. La bonne volonté, c'est très bien. Mais c'est la bonne volonté, il y a deux ans. Deux volonté. Énergie, travail. Ok? Mais ce que je pense qui est peut-être fort, en fait, dans l'espace littéraire, en fait, comprend Haïti, 2000 exemplaires, c'est un best-seller. Donc, c'est un best-seller parce qu'au Canada, 3000 exemplaires, c'est un best-seller. Je pense qu'aux États-Unis, à partir de 5000 exemplaires, c'est un best-seller. Un livre qui marche, c'est un malentendu. Ça veut dire que je fais un livre. Malentendu. J'ai fait un livre avec Cyril-là, c'est un livre à 15 000 exemplaires. Saint-Michel à France, c'est en France, avec beaucoup de moyens, beaucoup de diffusion, beaucoup de promotion, et ils ont dépensé peut-être. Parce que ça fait un livre, parce que le problème c'est la diffusion, et toucher le public, trouver le réseau de librairies, payer les libraires. Parce que quand vous entrez dans une librairie, si vous avez un exemplaire de livre, personne, sauf la maman, va rentrer et dire je veux le livre de mon fils. C'est pas des exemplaires, on ne voit pas. C'est ta maman ou ta soeur, si ça se rappelle, vous allez acheter le livre. Quand vous entrez dans une librairie, les livres que vous achetez, vous voyez des pyramides. Et puis vous rentrez, vous voyez les pyramides, vous voyez les photos qui sont. C'est là, donc, ces pyramides, cette histoire raconte aussi une histoire qui n'a rien à voir avec le livre, mais c'est l'histoire de la réception. Et souvent pour nous, on est très jeunes. 500 exemplaires, pour un écrivain, je vois le temps qui le regarde, c'est beaucoup. 500 exemplaires pour un écrivain, qu'on arrive à 25 exemplaires d'un livre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut réhabiliter, c'est pas le livre, mais c'est l'intelligence. Moi, j'ai à parler de la déroute de l'intelligence. L'intellectuel vit dangereusement. Parce que l'intellectuel est suspect. On nous regarde, on nous regarde très mal, c'est pas pour dire qu'on fait. Ça veut dire que quand on est ici, on regarde du monde comme ça, je suis très heureux que les gens se déplacent et je suis très heureux que dans un festival comme Haïti en Folie, il y a une place pour la littérature, et on va se battre avec Fabienne pour garder cette place. Donc il faut. Alors, toute une. En fait, la question, c'est l'Olivier qui se pose la question quelle est la place de la littérature dans notre occupation nationale? Parce qu'on ne peut pas fonder un pays s'il n'y a pas une politique de lecture. Dans n'importe quel pays, il y a une politique de lecture. Ce n'est pas des gens, des individus qui vont dire j'achète 3 livres, c'est très bien, c'est extraordinaire, mais c'est au niveau de l'État. Il y a 60 ans, 70 ans, le livre n'existait pas au Québec. C'était le livre français. Les Québécois avaient honte quand ils avaient écrit le livre. Mais ils ont investi. Ils ont créé ce qu'on appelle l'espace littéraire. Ils ont créé des libraires. Ils ont créé des auteurs. Ils les ont célébrés. Et si on n'a pas, si on ne les célèbre pas, si on ne les applaudit pas, si on ne le lit pas, des pères, si on ne le lit pas, en fait, nos auteurs, si on ne les lit pas, qui va les lire? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. On a la responsabilité de questionner, pas les lire pour les acheter, mais les lire pour que ça accompagne le questionnement sur Haïti.
Donc je pense que le sens de la question, c'est voir quelle est la part de l'intelligence dans la construction de l'Haïtien. Donc si l'intelligence peut reconstruire ou refonder Haïti, donc il faudrait même repenser la coopération. Et même dans le cadre de la coopération, la culture, même lorsqu'on va changer Haïti, le côté du Rigou, le côté Cisré, nous rajoutons de son besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un livre? Parce qu'un livre permet de projeter sur le monde. Un livre permet de regarder l'avenir et de regarder le monde. Et c'est fondamental qu'un Haïtien, comme un Chinois, comme un Américain, puisse regarder le monde. C'est pourquoi, en maternelle, la petite place, on donne des livres aux enfants. Donc je pense que c'est fondamental, dès la petite place, il faut commencer à dire aux enfants, l'intelligence humaine, c'est ce qui permet de renouveler l'humanité. Donc pour réinscrire Haïti dans le champ de l'humanité. Parce que si la lecture et le livre restent reste dans la reproduction, c'est-à-dire le livre appartient aux élites, on est foutu. Il faut complètement démocratiser le livre. Nous avons encore l'espace qualité intellectuelle, les librairies, les espaces publics, les écoles, les universités. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est avant même de poser la question, on t'a mis pas de bravo pour Fabienne Cola et tout le monde. Hey. Merci. Moi, c'est Yves-Marie Fontaine, ancien étudiant de l'École normale supérieure, professeur de littérature. Et ici, nous avons un service dans la radio TV XFM dans Paterson, nous j'aise. Question maintenant, pour Michel Souka et Wodin Saint-Éloi, c'est sur question de langue. Et ma propre exemple, moi, pour me capable d'illustrer la question maintenant, c'est que nous sommes en Haïti, fou pour les lettres modernes, je n'ai pas jamais préparé pour payer ça, dans l'éducation, pas. Et me fait remettre toute la littérature française que je t'ai enseigné dans toute lycée, dans tout collège. Et voilà que je viens ici, en tant que normalien supérieur, je ne me sens pas normalien supérieur encore, tout simplement pour question de langue. Peut-être que c'est moi seulement là qui vous situe à ça. En tant qu'historien, en tant qu'écrivain et éditeur, qui ça nous propose? Nous avons vécu 3 ans, pays nous avec pays ici. Il y a plus préparé intellectuel haïtien pour Canada avec la France. Moi-même, si je choisis, je choisis les États-Unis parce que je ne connais pas préparé intellectuellement pour les États-Unis. Pour une question de langue, qui ça nous-mêmes, nous gagnons comme proposition dans le domaine éducationnel pour que intellectuel haïtien, professionnel haïtien, lorsque il finit toute formation qu'il gagne en Haïti, pour lorsque il tombe sur le bout de terre, pour que somehow, il va recommencer dans un sens. Merci. Comment vous remercier? Je suis que très récent dans plusieurs pays, pas forcément dans plusieurs pays. Depuis le matin, le début de l'hiver, c'est l'âge des cerfs aussi pour la soirée de manger beaucoup plus réceptif. Pour préparer ici mon âme initial, même dans l'initial en français, l'initial en anglais, l'initial en espagnol, et par rapport à ce qu'on a ici, ça se fait maintenant depuis des années de plus en plus. Quand il y a depuis la primaire, le parti encore de l'université, c'est qu'il y a aussi une fois l'université pour l'anglais, depuis la primaire, nous commençons à l'actif plutôt l'anglais, l'espagnol, la culture de la française, etc. Et à partir, à pivoter, à partir de la scène masque. Naturellement, tout ceci doit s'amplifier à partir de ce appui et moyen. Je ne veux pas dire là, moi-même, vous êtes à Haïti, ma propre volonté. Eh bien, avec les 5 membres de la République, la vulgarisation, télévision, campagne, programme, dans tout le monde, et le barrage de l'eau, ou après, et les Simon en Haïti, et bien, il y a déjà commencé à comprendre la paix. Je vous remercie de ça. Autre question? Vous avez écrit le message de la Google. Non, 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 c'est pas.
Haïti a vécu une situation qui est pire que du temps des savages. Par contre, si vous bien vu de situation, Haïti est pas pour là, vous n'êtes pas pour là, vous êtes des savages, vous êtes des savages, vous êtes des savages. Bon, ok. Peuple haïtien, on va ok, peuple haïtien. Est-ce qu'on va penser que la situation peut pas être actuellement là? Il est plus pire que du temps des savages. Parce que du temps des savages, il y a de la politique, qui était privilégié, qui était qu'on a vu mon vie plus ou moins bien, de l'État privilégié dans la vie. Parce que mon vie. Oui, je veux être bien, dessus. Et puis, quand on est d'ailleurs, et que pour nous, haïtiens, nous chercher une vie ensemble, tout le monde toujours a dit ça. Mais, pour tout le monde a dit ça, il n'y a pas de gens qui font vraiment. Même leur vie pour haïtiens, par exemple, haïtien ou haïtien pareil, il faut que c'est fluide sur le système de la gouvernance. C'est pas votre pays, notre nation, on va toujours vivre ensemble. Par exemple, si nous